fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou. Impossible de la trouver, c'est incroyable. Je la trouve vraiment pas. Bah écoute, je la cherche depuis 5 minutes. Attends, non mais c'est incroyable, j'espère que c'est pas vrai ce qu'elle nous a dit. Lily Rose, t'es dans ta chambre? Je suis sûr qu'elle se cache dans sa chambre. Lily Rose. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, comme vous pouvez le voir, on a démarré depuis quelques secondes et c'est déjà le bazar. Là il se passe une situation imprévue et ça s'est jamais produit. Lily Rose nous a téléphoné, donc on l'a entendu. Elle nous a dit je m'enfuis, je veux plus de cette maison, j'ai vu quelque chose, je veux plus jamais le revoir. Je veux pas vous dire ce que c'est mais moi j'en ai marre. Et tout, enfin voilà, elle nous a juste dit ça et ensuite elle est partie et elle a laissé un message: je ne viendrai plus ici, au revoir. Elle est peut-être dans le patio, non? Non, non, mais elle est pas dans le jardin, j'ai déjà vérifié et tout, c'est incroyable. Elle s'est vraiment volatilisée, elle était là il y a encore 10 minutes. Pourtant la porte elle est fermée. Après c'est vrai que je l'ai vu faire ses affaires. Donc ça tombe, elle est partie, mais pourquoi elle est partie d'un coup comme ça? Elle était super contente de venir habiter ici. Elle est partie sans son... Sans ses dits, est-ce que vous... Non mais elle a laissé toutes ses affaires ici là. Bon écoute, Attends, il faut continuer à fouiller la maison. T'as regardé dans cette pièce là? Non, pas encore. Ah, vas-y, bon, on va y aller. Je devrais vérifier. Parce qu'elle est pas partie sans raison, il y a quelque chose qui a dû lui faire peur. Attends, on va cacher le peuple ici. Attends. Attends, elle est pas là. Lily Rose, tu te caches? Attends, écoute. T'entends pas? Mais c'est la musique de Popit. C'est Popit Mania? Bah ouais. Non mais c'est bizarre. Ça me donne une blague. C'est Lily, blagues, ouais. C'est Lily qui écoute cette musique. Non mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'espère qu'elle est pas revenue. La fille de Popit. Tu sais de qui je parle? Bah la fille de Popit. Non, ouvre pas. Elle est revenue. C'est elle? C'est la fille de Popit Mania. Ah mais c'est pour ça que Lily Rose s'est enfuie. Ah, je comprends tout maintenant. En fait, bon, pour ceux qui savent pas qui c'est la fille de Popit Mania, viens. En fait, on a sorti une musique qui s'appelle Popit Mania et dans le clip de Popit Mania, du coup, bah, il y a la fille de Popit Mania. Quoi. Et elle embête toujours Lily Rose. C'est la fille du clip. Sauf que la fille qui est dans le clip de Popit Mania, bah, elle arrête pas d'embêter Lily Rose. Donc elle arrête pas de venir chez nous et tout. Alors elle vient pas très souvent, mais tous les mois, tous les deux mois elle vient. Elle embête Lily Rose et à mon avis Lily Rose elle est désespérée. Parce que là on a déménagé pour être tranquille. Et mais bon elle vient. En tout cas on doit rentrer. On doit s'assurer que c'est bien elle. Qu'est-ce qu'on fait alors si c'est la fille de Popit Mania? Bah, je sais pas, il faut la convaincre de partir. Et non, va chercher des popites à la cave. Il y en a? Bah oui, il y en a plein. Allez, c'est parti. On est oh. Et 2010. Poppy dans cette de Wiz. Si tu jalouses, on s'en balance. Quand les bulles claquent, c'est non, 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 non. Nous, on s'amuse, on se prend la tête. Peu importe si t'as capté, on va gérer. Poppy. Mets-toi dans la cachette secrète. C'est bon. À moi la cachette secrète en fait. Stop. Quoi? C'est bon, t'as fait ton numéro. T'es au courant que là tu parles à la queen des 2010? Oui, je sais que t'es la queen des 2010. Voilà. Mais toi t'es au courant que c'est bon, ton show il est terminé là. Non. C'est terminé. Non. Vas arrêter de venir chez nous pour chanter la mais musique. Mais pourquoi en fait? Mais c'est chez moi ici. Là je t'ai laissé chanter pendant 5 minutes. C'est chez moi ici. Tu sais qu'à cause de toi Lily Rose ne veut plus venir ici. Bah je m'en fiche parce que c'est moi Lily Rose. Non, toi t'es pas la vraie Lily Rose, toi t'es la fille de Popit Mania. Regarde-moi là. T'es la queen des 2010. Génération 2010. Oui, ça c'était le deuxième. Clairement, vous m'avez encadré. Ça c'était Popit Mania 2. Mais oui, t'es un bon souvenir. Voilà. Et maintenant, tu dois rester dans ta musique, faut arrêter de venir chez nous. Ok? Lol. De quoi lol? Bah, n'importe quoi. Tu fais la star encore? Bon, allez, tu vas rester là. Pourquoi? J'arrive, on va s'occuper de toi et tu ne reviens plus. Okay. MDR en fait. De quoi MDR? Oh mais oh, on n'est pas la musique. Oh là 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 là. Elle va jamais s'arrêter. Oh, la musique, ça y est, ça fait un an et demi qu'elle est sortie. Bon, t'as bien compris qu'elle était attirée par les popites. Alors ce que je vais faire, ouais, je vais aller vers la porte. Ouais.
Ou non, je l'amène à la cave. Non, non, on l'amène pas à la cave, il faut la faire sortir simplement de chez nous. D'accord. Ok. Ok. Et avec les pop-it, je lui dis, bah tiens, je te donnais des pop-it, elle me suit, et puis je ferme la porte tu direct. Tu laisses des pop-it par terre jusqu'à la porte, et après tu en jettes un dehors. Comme ça, on va être tranquille. Mais là, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle met la musique, elle devient survoltée. Hein. Ok. Pop-it, pop-it, elle a même laissé l'enceinte ici, comme ça elle aura plus d'enceinte. Allez. Oh là là. On a échappé belle. On va être tranquille, ça y est. Vas-y, récupère tout cela, comme ça si un jour elle revient. Si un jour elle revient, on pourra s'échapper. Ok. Enfin, on pourra s'échapper. Bon, maintenant c'est le problème de Lily Rose, on sait pas où elle est. Ah oui, bah maintenant il faut dire à Lily Rose que la fille de Pop... qu'on a compris le problème et que, la fille de Pop-It Mania va pas revenir. D'accord. Allez. Bon, les amis, c'est parti. On va téléphoner à Lily Rose. Allô ? Allô, Lily Rose, ouais. C'est bon, tu peux revenir, là. On connaît le problème, on sait que c'est à cause de la fille de Pop-It Mania. Ok. Oui, non, mais c'est bon, on a trouvé l'astuce. Maintenant, on sait comment la faire partir. Elle était dans la cachette secrète. C'est bon, elle est partie. Je l'ai plus vue, là. Bah ouais, mais à mon avis, elle va vouloir revenir. C'est bon, ouais, ok. Elle arrive dans... Lily Rose arrive dans 2 minutes, deux apparemment. Mais bon, je pense que elle en a marre. Hein. C'est vrai que ça fait une semaine, qu'on habite ici. Une semaine qu'il y a des catastrophes. La sorcière est revenue, pour ceux que ça intéresse. Il y a un clown maintenant qui vient. Bon, il est gentil, mais il est vraiment embêtant. La fille de Pop-It Mania, bah, en fait, on a les mêmes problèmes que... Je l'ai vue. Elle est re-rentrée dans la maison. Oh non. Si, si. Mais comment elle a fait? Mais je sais pas. Oh non, mais même sans enceinte, elle... Oh là 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 là... Non mais stop. Mais elle jette des pop-it... Elle jette des pop-it partout maintenant. Mademoiselle, allez, stop. Bon. Lily Rose va revenir. La vraie Lily Rose va revenir, il faut que tu partes. Mais je l'aime pas, Lily Rose. Comment ça t'aimes pas la vraie Lily Rose? Allez. Très sympathique. Venez par ici. Allez. Moi j'en peux plus. Moi j'en peux plus. Moi je te dis, bon, écoute. Alors, c'est quoi votre... Écoute, on va te laisser là encore 1 minute. On te laisse 1 minute pour partir, on veut plus de toi là tout de suite. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, nous, on a de plus en plus de problèmes, même si on a déménagé, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que ça vous fait rire, au moins nos problèmes. Et on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là, ou allez voir notre boutique de vêtements, le Pink Lily Shop. A plus.